Je peux les faire vomir. Salut! Bonjour, bonjour à tous. Hop, j'enlève. Je mets ma référence, peinture, et puis c'est bon. Bon, bah, j'espère que vous avez bien mangé. C'est un peu un stream. Les streams sont un petit peu faits à l'arrache parce que je sais pas quand est-ce que mon fils va vouloir dormir. Salut, suis nous. Attends, parce que ça me gêne. Ça me gêne. Hop là. Je vais décaler la caméra. Désolée. Je suis pas hein, voilà, non, je suis pas à mon aise là. Attends. Tout dépend de combien de Valium tu lui as donné. Oh le pauvre, peut-être pas commencer le Valium tout de suite, pas attendre un petit peu quand même. Il a que 1 an et demi. C'est un live qui file la gère, ça bouge pire que sur un bateau. Bah oui, attends, faut bien qu'il y ait de l'ambiance quoi. Faut bien que je fasse des lives un peu différents pour pas que vous vous ennuyiez quoi. Bon là ça va être un peu grave pareil, mais bon voilà quoi. Voilà. Hop, attends, je range un peu parce que c'est un peu le bordel. Hop, est-ce que je suis pas trop mal? Oui. Attends, si je peins, je fais genre. Ouais, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. En fait, c'est le truc de peinture qui me gêne derrière moi. Bon alors. Genre lui.
Attends, c'est pas. C'est fou. Et voilà, c'est bon. Salut, Mac 800, 988. On va dire Mac. Ce sera plus simple. Ok, alors attends. Du coup, j'ai réussi à choper les deux. Hein, vous pouvez voir là, en bas. Donc la photo des deux filles. Donc je les ai. Je me suis dit je vais faire ça. Ce sera plus simple. Donc lui il a la peau grise. Alors, il a une peau grise. Bah on va mettre celui-là. Toi, celui-là, c'est pas mal. Ça va confinement bien pour le moment. Bah oui, ça va. Moi ça ne change pas des masses. C'est juste comme c'est comme si c'était un mercredi tous les jours. Hein? Le mercredi je garde mes gamins. Bah du coup bah voilà. Ça me fait un mercredi. Un gros mercredi quoi. Mais ça va, ils sont gentils. Et en plus il y a mon conjoint qui va être en chômage partiel, donc il sera quand même là. Moi pas de confinement. Bah c'est voilà hein, comment tu te la pètes hein. Moi je trouve que tu te la pètes un peu trop là. Tout de suite ça y est, moi pas de confinement, vous êtes des merdes. Non, je n'augmente pas du tout ce que t'as dit. Assassin. Bah ça dépend. Est-ce qu'il veut payer plus de retraite ou moins? Ça aussi. Ou c'est peut-être trop tôt l'humour coronavirus. Il a quoi sur ses bras? Ah mais c'est des pioles. Non, tu peux. Lol, que de violence. Un peu d'humour, c'est toujours bien. Hein? Comme ça qu'on arrive à survivre quand même. Hop. Attends, je fais des trucs, mais vous voyez, ouais. Gris sur gris, ça fait peur un peu trop ton sur ton. Bah écoute, il a un peu la peau grise quoi. Donc, mais après c'est pas vraiment gris hein, quand tu regardes, regarde. Moi j'ai fait un zénithal de blanc, mais c'est du blanc en fait. Hein, le au-dessus c'est du blanc. Et du coup tu vois, regarde. Alors, je sais pas si tu vois trop, mais je vais essayer de faire un peu net. Tu vois là, le muscle là, il est blanc, alors que le pli là, il va être gris. Du coup, pas besoin de le peindre. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, fallait le laisser en sous-couche pour la peau. Oh non, non, il a une peau gris bleutée. Le contraste là, il est pas mal. Gris bleuté, ouais, gris vert. Je ferai un léger lavis de bleu vert là. C'est un peu vert d'eau, je trouve. Et comment bah du coup, en parlant de ça là, ma façon de peindre, t'as comment s'appelle Vincent Vinturella. Il a fait des vidéos que je viens de découvrir là, il y a dans la semaine. En fait, il explique un peu sa façon de peindre, etc. Et en fait, c'est la même que la mienne. Je fais, mais putain, je peins comme lui. Bon, il est largement hors classement que moi. Hein. Moi, j'arrive pas à sa cheville, mais tu sais, il a fait vraiment, il est hyper doué, ce gars. Mais je me dis, putain, c'est cool. Je suis sur la bonne voie, quoi. Ça rassure, tu sais. Tu te dis, putain, je suis pas qu'une merde, quoi. Du coup, voilà, je suis contente. Je me dis, bon,
je suis pas n'importe quoi. Ça, c'est cool. C'est du lazy painting, ouais. Moi, j'ai toujours... Bah, tu sais, j'ai pas fait les lives du chill pour rien. Hein. Je suis quelqu'un de pas stressé du tout dans la vie. Enfin, j'ai été stressé pour une commande et j'ai compris que j'étais stressé il n'y a pas si longtemps, mais enfin, faut y aller hein, pour me stresser. Donc non, je suis vraiment quelqu'un tranquille quoi. Donc ma peinture, bah ça se ressent. Je suis pareil quoi. Mais c'est qu'il y a un gros machin tout moche. Vous me dites si la musique elle est trop forte ou pas, parce que j'ai l'impression qu'elle est trop forte. Putain, quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. T'as beau tous les enlever, les machins là de moulage, là, les gaps de moulage, bah non. Putain. Tu es quand même loin d'être une merde. Merci. Je suis eu quoi? De la diarrhée? Du pipi? Non, mais voilà, je suis. J'ai le syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai pas l'impression d'être vraiment forcément très doué. C'est pas un peu près en fait la caméra. Je vais la reculer un peu, histoire que vous ayez un peu de. Puis je vais mettre ça là. Putain. Ah, peut-être mieux. Hein. Bon, attends, faut que je fasse le zoom, hein, forcément. Tu bouges alors. Hop. Ah, j'aimerais bien avoir une webcam qui fait le zoom direct. Putain, vivement que je puisse acheter le boîtier pour faire mon. Pour avoir mon Lumix là. J'en ai marre. Je veux mon gros Lumix. Bon, ce sera un autre setup, mais. Vous allez voir, vous allez. Je pourrais même faire du 4K, le truc de ouf quoi. Bon, à 120 balles, on va attendre un peu. Il a les poils comment? Blanc. Bon bah on va le diluer un petit peu. Puis on va faire. Voilà. Puis on va attendre qu'il sèche. Attends, je vais le mettre là, comme ça vous le voyez quand même en train de sécher. Oh, je prends le bain de soleil. Ben, si des gens te payent pour faire ce que tu fais, tu es une professionnelle. Ce que tu fais, tu es une professionnelle. Oui. Ben, après, être pro, ça veut pas dire forcément que tu es doué aussi. Hein. Petite dose de café. Alors l'autre j'avais commencé, c'est beige. Ah non, mais il y a un truc bleu et du rose. Putain, comment tu fais ça? Il y a une sorte de liseré, enfin il y a un autre tissu, il n'y a pas autant de tissu que sur le dessin. Je vais faire un liseré bleu et puis la peinture rose. Peinture rose. Check. Faudrait un boîtier de streamer là, comme ça t'appuies sur un bouton puis vous avez le truc qui fait ouais check. Ah comment je serais chiante. Hop. Non mais Spinous, la radio libre de droit rock, hein, c'est bien ça. C'est vrai que j'ai complètement zappé qu'il y avait des radios de musique, quoi. Enfin, j'ai complètement zappé. Ça, c'était la bonne idée. Attends, j'avais dit quoi? Oui. Ah oui, et puis après... Alors, attends.
C'est beige à l'extérieur, donc l'intérieur, c'est celui-là. Toc. Un petit peu de rose dans ce monde de brut là. Putain, j'aurais une armée de Zench là. Faites bien plein de roses partout. Ou Slaanesh. Peut-être plus Slaanesh. Zench plus bleu quand même. Mais bon, un petit peu de rose quand même. Il est pas hyper couvrant mon rose hein, quand même. Bon, le Warlock Purple, il est joli, mais la couvrance, c'est pas son truc. Hein. Attends, on va mettre du. Je sais pas ce qu'il donne lui. Je l'ai jamais trop testé le Volupus Pink. T'étais parti? J'ai même pas capté que t'étais parti. Même pas tu dis que t'es par. Re. Bah écoute, tant mieux. Tu es revenu parmi nous. Ah, c'est peut-être un peu foncé, hein. Ah, quoique. Oh non. Peut-être avec le rouge plus qu'avec le rose. Ou alors à diluer. Ah ouais, c'est pas mal pour le rouge. Non, je ferais le rose plus dilué parce que. Parti en mode furtif. Bon, je vais dodo, vous bougez pas de là. Et eh ben non, je suis bête. Vous pouvez pas. Ah, mais salaud! Ah, salaud, ouais. Ah, t'es con. Bah, bonne nuit, écoute, hein. Salaud. Ah non, mais j'y crois pas quoi. Ça troll, ça troll. Bon, on va faire pareil sur l'autre rouge, hein. Tac. Bon, le live d'avant, j'ai pas pu enregistrer. Du coup, celui-là, je l'enregistre. Et puis, je le mettrai sur YouTube. Et je mettrai les autres lives de Twitch sur YouTube. Je mettrai rediff. S'il y en a que ça intéresse. Faut que je fasse ma niveau 2 des degrés 0 là. Colle, hein. Elle est où ma colle? C'est bon. Pas celui-là.
On va essayer le Pinkoro de Citadel. Des couleurs qu'on utilise, que j'utilise jamais, quoi. Enfin, très rarement. Check, check, check! Ah putain! Ah! Ouais, il est pas mal. Bon, il est pas assez pétant quand même. Hein. On va lui rajouter un petit boost. On va lui rajouter un peu de magenta. Histoire qu'il soit un peu plus. Ou alors, on peut lui rajouter magenta fluo. On va voir. Non, ça c'est du rouge transparent. Maud, essaye pas de te tromper quand même. Tiens. Il est un peu malade lui, non? Il a l'air tout vert. Grave. Bah ouais, mais je l'ai fait vert pétant pour pouvoir le foncer après, mais. Il est bien. Mais je sais pas, c'est un. Ils appellent ça quoi? Camille. Descend from the shrine. Je sais pas ce que c'est, shrine. C'est un dieu du vent, j'ai l'impression. Ouais. D'où le. Ah si, tiens. Fujin. Ouais, dieu du vent, voilà. C'est écrit en tout petit vers son pied. Ah, un peu de magenta pour booster un peu le rose de citadelle, parce que bon, il est bien gentil, mais c'est un peu maladif, hein, le rose de citadelle. Pas mal. Faire pareil là. Alors après, je vais peut-être faire un live sur Instagram à 21h, mais alors je sais pas quel jour. Je sais pas quand. On est quoi? On est jeudi, peut-être demain. Pour ceux qui sont sur Instagram. Sur ma Death Guard, il allait bien. Ouais, il pourrait bien aller. T'as pas tort. C'est pas hein, le truc de French War Game Studio, ça? On dirait. Il est dans la chambre, des parents. Il dort ? Je sais pas, va voir. Bleu. Va lui sauter dessus pour voir s'il dort. Ah le pauvre. Putain. Il a rien demandé. En plus il est ambulancier le pauvre quoi. Je pense qu'il a déjà suffisamment de soucis. Pas besoin de lui en rajouter. C'est un bon test, c'est une vito. Oui, effectivement. Peut-être un peu violent, non? Peut-être.
Bon, je t'ai fait un béjas un peu pareil, béjas peau chelou pour le tissu du dessus là. On dirait presque un Uchaptibone foncé. Uchaptibone. Ça, c'est le pain de Mini Wargaming qui a une voix grave de ouf. Tu sais, c'est celui qui est indien. Il a une voix, mais ultra grave, quoi. C'est, il fait Uchaptibone. J'aime trop, c'est trop cool. Uchaptibone. Énorme, quoi. Super grave. C'est rare, hein. Il y a un copain, on a un copain aussi de jeu, il a une voix grave aussi, mais pas autant que lui, quoi. Enfin, si le mec, il est pas engagé pour faire les bandes-annonces, remboursé, quoi. Parce que tu crois que les défibrillateurs, c'est pas violent, peut-être? Oui, effectivement, ça peut être violent aussi. Si tu vas par là, oui. Si tu peux lui hurler dessus. Mon copain, il est très très sensible au bruit. Bon, pas quand il dort. Hein. Tu peux lui hurler dessus quand il dort. Il en a rien à carrer. Mais il peut entendre des sons que tout le monde n'entend pas forcément. Et du coup... ça peut bien être un truc. Par contre, sauf s'il dort. S'il dort, il y a sa capacité à écouter est complètement éteinte. C'est marrant, ça. C'est bien ça comme musique, ça fait très chill, tranquille, ça qui est bien, chill. Je sais pas ce que je vais faire en stream sur Instagram. J'ai un buste à faire, je ferai peut-être mon buste. Ah! Comment se peindre soi-même? Putain, je me suis fait du fond de teint en fait. La couleur, c'est quasi comme ma peau, quoi. Moi aussi, ma femme me réveille quand je ronfle, mais pourtant j'entends rien à chaque fois. Je commence à croire que c'est des conneries. Je ne ronfle pas en fait. Eh ben, tu vois, on a le même problème. J'arrête pas de lui dire qu'il ronfle. Il me dit mais non, n'importe quoi. Et du coup, on en est à s'envoyer à montrer des vidéos d'exemples. Genre, si tiens, ben, c'est toi là qui ronfle. En train de ronfler. Des fois, il me prend en photo parce que je prends toute la place. On a changé de lit, donc il fait 160, je crois, ou 180 en largeur. 160, je crois. C'est un truc Ikea. Brimness, là. Avec les tiroirs en dessous, c'est trop bien. Et attends, tu peux dormir en longueur comme en largeur, quasi. Je suis 1m65, alors pour 5 cm, ça va, quoi. Elle t'a enregistré, mais comme il fait noir, noir, ça prouve rien. Putain, il me dit la même chose. C'est ça que ça prouve rien, tu parles. Mais j'ai envie de te dire, qui est-ce qui enregistre, hein? C'est toi peut-être qui enregistre? Donc si, ça reste quand même une preuve. Je suis désolée.
Puis bon, c'est comme je lui dis, hein. Je prends pas toute la place, hein. C'est lui qui me donne les couvertures, quoi. J'y peux rien, il me donne les couvertures. Je les prends. Voilà. Elle aurait très bien pu enregistrer le chien, il ronfle aussi. Tout de suite, forcément. C'est forcément les animaux domestiques. Parce qu'ils peuvent pas parler, ils peuvent pas dire, alors du coup, c'est forcément de leur faute. C'est pas un peu facile. c'est pas gentil d'accuser le chien. Ouais, tu vois, même Jouvard, il est d'accord. Hein? C'est parce que t'as pas d'argument. Alors du coup, forcément, tu te rabats sur le chien. Du coup, ça fait encore un argument pour elle. Comme quoi, c'est toi qui ronfle. Cherche pas, hein. Faut assumer, hein. Quand on ronfle, on ronfle, hein. C'est pas un tort, hein. Mais voilà, faut accepter que bah, des fois, on te réveille comme un malade. Ah, ce qui serait drôle aussi qu'elle te fasse un jour, c'est, tu sais, tu ronfles, tu dors, t'es bien et tout, dans les bras de Morphée. Et puis, elle prend un haut-parleur, tu sais, puis elle fait « Réveille-toi !» pour te faire chier, quoi. C'est un argumentaire qui tient devant des tribunaux. Sa preuve n'est pas recevable. On n'a pas l'image. Après, faut qu'elle prenne, qu'elle mette la lumière de son téléphone pour te filmer, quoi. Je pense qu'il y a que ça de mieux, hein, pour te faire taire. Mais de toute façon, je sais qu'au fond, de toi, tu sais qu'elle a raison. Même nous, hein, on sait qu'elle a raison. Si jamais elle me fait ça, je la réveille en disant qu'il y a une souris. Elle va bondir au plafond et faire une crise cardiaque. Ah, ça va devenir... Ah, c'est quoi ce film? Comment il s'appelle? La Gare des Roses. Putain, le film de divorce, quoi. C'est avec Michael Douglas... Et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, la nana. Ils se font des puteries tout le long du film, en fait. Puis c'est intéressant, quoi. C'est pas forcément le film de ouf, mais je sais pas. Du coup, vous vous occupez comment pour le confinement? Bon, toi, Spinou, je sais, tu m'as dit que tu travaillais. Moi, bon, tu travailles peut-être pas tout le temps, mais... Et puis tu fais l'école à la maison. Enfin, ta femme, en tout cas. Mais s'il y en a d'autres qui regardent et qui veulent participer au chat, ils peuvent, hein. Hein, bande de majorité silencieuse. Ça, ok. Ça va là. Non, ça va jusque là, en fait. Thank you.
On n'est pas trois à regarder. Oh bon, peut-être. Je sais pas, je vois pas. Mon fils est en train d'inventer une nouvelle matière avec son kit de chimiste, l'eau savonneuse. D'accord. Carrément une nouvelle matière, c'est chaud là. Enfin, si ton fils commence à rajouter des ingrédients, c'est chaud là. Enfin, des. Ça va peut-être faire un. Comment, un scientifique. Peut-être qu'il va découvrir un nouveau truc, on sait jamais. Donc, pour répondre à ta question, vous n'êtes pas trois à regarder, mais deux. Parce qu'il y en a un, c'est mon. Le tableau de bord, et en fait, Twitch, il comprend comme si c'était un spectateur. Enfin, il le prend en compte comme si c'était un spectateur. Alors, tu fais, ouais. Je suis mon propre spectateur. Tant qu'il fait pas péter la maison, ça me va. Oui, bah, c'est sûr. Il veut vendre ça pour soigner le coronavirus. Bah, écoute, vous pouvez vous faire de la thune, hein, du coup. Hein? Pourquoi pas? C'est gris noir quoi. Du coup. Peut-être qu'il faudrait que je fasse du Warhammer 40K pour qu'il y ait plus de vues. Qu'est-ce qu'il fout, madame? Je sais pas. Parfait, il y a pas une grosse majorité silencieuse alors. Oui. Ah, mais je vois pas. En fait, je suis sur OBS. Attends, il est là, mon truc. Je sais pas où est-ce qu'on voit. Genre le nombre de gens, de spectateurs. Ah, 3 en moyenne, donc oui. Toi, c'est vraiment. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé sur le Discord de Guldur. J'ai fait sur ma page Instagram et Twitter. Voilà. Mais après, c'est comme je vous ai dit hier. Moi, ça me perturbe de partager sur d'autres groupes. Déjà, l'avoir partagé sur le Discord de Guldur, je me suis dit, putain, il va le prendre mal parce que je fais un truc sur son. Comment, sur son Discord et tout. Tu sais, je fais de la pub et tout. Et. Tu sais, j'ai l'impression que ça peut gêner les gens en fait. Toi, du genre, oh, encore une chaîne YouTube qui veut se faire des follow. Toi, ça fait un peu ça. J'ai l'impression que c'est. Du coup, j'arrive pas à partager sur les autres groupes. Toi, par exemple, Warhammer 40K, faudrait que je partage aussi des fois. Quand je fais du Warhammer en stream. Elle est de quelle couleur, sa sorte de capuche, je sais pas quoi. Ah, c'est bleu. C'est bleu. C'est confiné comme live. Bah ouais, du coup. Ah, c'est clair. Non, mais faut que je le partage sur YouTube. Et bah après, ça fait un live comment intimiste, quoi. C'est un live genre les vrais savent. N'importe quoi. Tu sais, c'est underground. Genre, tu sais, quoi, tu connais pas les lives de LMP? T'es qu'une merde. Oh là là, n'importe quoi.
Enfin, je peux en dire des conneries. Toc. Mais j'aimerais bien aussi faire un live. Comment, où t'as les gens, ils m'envoient des photos et puis on peut les critiquer avec une autre personne. Tu sais, Yvi, il le fait, mais en gros, grosse ampleur, quoi. Enfin, c'est beaucoup. Parce qu'il a une communauté de ouf. Mais moi, j'aimerais bien faire ça, parce que j'aime bien. Tu sais, voir ce que les gens font. Tu sais, ils ont forcément des idées et tout. C'est cool, je trouve. Tu sais, se partager des idées de. Ouais, des idées quoi. Je cherchais, mais non, juste des idées. C'est cool, je trouve. J'aime bien, moi. Bah, ça tient qu'à toi. Bah, oui. Oui, c'est sûr. Mais je sais pas en fait comment le mettre en œuvre en fait. Le genre je demande envoyez-moi sur Facebook ou un truc comme ça les photos de vos filles et puis on les regardera en live. J'aime bien ce truc. Et puis tu peux discuter avec les gens qui ont envoyé et tout. Mais non, faudrait que je le fasse le soir mais. Mais faut que je trouve un moyen. Il y a plus de musique. Vous êtes toujours là, YouTube? Je suis sûre que c'est ça. Tiens, toi? Je le savais. Je le savais. Hop. Je vais mettre mon retour. Oui, oui. Tu proposes des conseils sur les peintures, les gens envoient leurs photos sur une adresse et quand tu en as assez, tu programmes une date pour le live. Ouais. Oui, mais tu vois, faut que. Putain, je me disais aussi. Le truc, c'est que. Faut que je me fasse à l'idée du. Comme tu dis. Tu proposes des conseils sur les peintures. C'est psychologiquement, faut que je l'accepte ça, que je puisse être suffisamment compétente pour pouvoir faire des conseils, tu vois. Parce qu'à chaque fois que je donne des conseils sur Facebook ou Insta, etc., c'est parce que les gens ils l'ont demandé, quoi. T'as genre, il y a quelqu'un qui dit ouais. Qu'est-ce que vous en pensez du, je sais pas moi, du num num num? Bah je leur dis, voilà, ce que moi je pense quoi. Par exemple, s'ils demandent, bah, pas à chaque fois parce que ça, enfin j'ai peur, enfin voilà. Mais je vous dis, ça se soigne, hein. Je vais y réfléchir, voilà, je vais prendre mon temps. Mais voilà, ça. C'est qu'ils veulent ton avis, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Bah, tu vois, par exemple, Vincent Vinturella, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a son groupe de communauté et il dit, bah voilà, tel jour, enfin, ce jour-là, vous m'envoyez, vous faites un post dans le groupe en mettant hashtag, genre, je sais plus comment c'est marqué, mais genre, avis, live, avis, je sais pas quoi. Il est anglais, alors du coup, enfin, voilà, en anglais. Et il pose une question du genre qu'est-ce que tu penses de l'OSL? Et ils mettent les photos et il le fait vachement bien parce que en fait quand tu critiques une œuvre d'art, ce qu'il fait c'est bien parce que c'est aussi valable pour les tableaux. On l'a appris à l'école, c'est en fait tu mets un tableau ou du coup une figurine en noir et blanc. Et tu peux mieux appréhender là où ça pêche un peu, tu vois, parce que la figurine, ça a besoin d'être lisible. Donc si tu prends la photo de ta figurine et tu la mets en noir et blanc et tu as un problème de lecture,
enfin, tu sais, de contraste et tout, c'est qu'il faut que tu rebosses tes couleurs. Et ça, c'est vachement bien. En peinture, on te l'apprend à l'école. Ah merde, j'ai oublié le rose. Mais bon, j'aimerais bien faire ça, enfin ce que je vous dis là, parce que pour partager le fait de comment on critique une figurine, enfin une œuvre, quoi. Tu le fais pas n'importe comment en fait. Faut pas dire ouais c'est moche ou ouais il manque ça. C'est pas que ça en fait. Mais je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer. Mais je peux faire un live avec mon téléphone, là. Je suis sûre que ça peut le faire. Faire, oula, si les gens t'envoient, fais une annonce sur tes médias sociaux et tu fais une vidéo d'intro. Je peux te servir de cobaye si tu veux. Pourquoi pas? Tu fais, genre, vous voyez là, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Non, mais oui, bah pourquoi pas un cobaye, et je peux demander aussi à mon copain aussi de faire une petite vidéo d'intro, c'est pas bête. J'aime bien ton idée. Concentration, concentration. Des figues à critiquer, j'en ai des tonnes. T'explique les techniques dans l'intro comme celle du noir et blanc pour voir les contrastes. Ah oui, bah ouais. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, tu vois, moi ça me perturbe un peu parce que tu vois, je peux faire des erreurs avec la peinture de mes figurines. Donc faire un truc où tu dis, tu donnes des conseils, ça fait bizarre, tu vois. Ça fait genre, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est ça qui me perturbe aussi. Tu savais pas quoi faire pendant le confinement? Oui, si, j'ai quand même j'ai un peu trop de quoi faire. D'ailleurs, ça tombe bien qu'il y ait un confinement et qu'il y ait une période où on peut rien faire parce que moi, ça me permet de rattraper mon retard. Moi, j'ai abandonné la peinture, je préfère faire. Oui. Après, oui.
Bah, si tu permets aux gens de critiquer aussi tes peintures, c'est équilibré. Oui. Bah oui. Oh, moi, ça me dérange pas que les gens me critiquent parce que du coup, je peux évoluer, quoi. De toute façon, je pense que je critiquerai une des miennes aussi. Je pense que ça peut être bien. Genre, bah là, vous voyez ce que j'ai fait. Bah, c'est juste une tuerie, voilà. On peut pas faire mieux. Aucun peintre du monde ne peut faire mieux que moi. Plus de blanc, s'il vous plaît. Ben, si tu as des commandes, c'est bien que les gens aiment ton travail. Oui, c'est sûr. Enfin, après, ça dépend qui aime mon travail et de quelle façon. Après, ceux qui n'acceptent pas les critiques, ils ne vont pas t'envoyer leurs photos. Oui. Bah après, oui, c'est vrai que ça se s'auto-régule, quoi. C'est pas bête. C'est vrai que j'avais pas pensé. Les gens, ils sont pas obligés de m'envoyer leur fille, quoi. C'est sûr. Moi j'aime bien ces trucs-là. On voit les figues des gens et tout. C'est cool. Mais bon, faut que j'arrive à être critique. Parce que généralement je dis waouh, c'est cool. Il faut que j'arrive à être. À utiliser une méthode de critique constructive, quoi, et pas juste ouais, c'est cool. Par exemple, il y a mon copain, il a vraiment un œil critique. Il a fait le même genre d'études que moi, sauf que lui, il était en filière illustration. Et il a vraiment un bon jugement. Mais bon, il viendra pas en live, hein. Il veut pas, il aime pas, donc. Faire rosifier un petit peu plus. Il est vraiment pas couvrant, hein. C'est vraiment pour faire du glacis, hein, le Army Painter. Tu veux faire un partenariat avec PenQuest pour critiquer les photos sur les galeries? Le fouteur de merde. Bah pourquoi pas? Si on peut faire un. Ah, mon téléphone. Bah pourquoi pas? Si les gens ils veulent bien sur Colorful Mini, moi ça me va. Hein. C'est vrai que avec Colorful Mini, je peux faire un post. Ils me les envoient dans le même post et puis après on les critique dessus quoi. Ça peut être sympa. C'est vrai que j'avais pas pensé à eux, mais si. Pourquoi pas? Bah après faut voir si. Merde. Comment il s'appelle? Celui qui a créé Colorful Mini. Ah. S'il veut bien, toi.
je peux ajouter une fonctionnalité pour demander une critique sur l'appli. Oui, ou carrément sur l'appli. Bah, pourquoi pas. Dice Roller, merci. Putain, je me disais dés, il y a des dés dedans. J'arrivais plus. Et ou carrément sur l'appli, oui, pour parce que comme c'est toi, c'est ton appli, donc bah comme tu veux. Tu sais, on peut faire sur l'appli, pourquoi pas. Hein. Et de voir s'ils sont, s'ils seraient d'accord, quoi. Si pour ceux qui veulent, ils envoient la photo et puis on essaye de trouver un jour qui peut leur plaire. T'as un jour, une heure qui peut être pas mal. Je pense que ça sera sûrement le soir. Et puis de faire un live comme ça, quoi. Genre un truc récurrent, une fois par mois, ça peut être sympa. C'est comme ça, ça peut forcer aussi les gens à peindre et en plus à utiliser ton appli. C'est donnant, enfin c'est toi, c'est donnant, enfin c'est un bon procédé, quoi. On va sonder un peu pour voir si ça les intéresse. Bah ouais. Je suis sûre que ça peut être cool. Alors l'autre, c'est quoi? C'est du bleu, gris, machin. Alors c'est le sorte de pagne. Puis je trouve ça manque les critiques comme ça parce que des fois dans notre entourage on n'a pas assez de personnes qui te disent bah que t'as fait de la merde. Généralement il y a des gens et ils savent pas forcément peindre, du coup ils te disent ouais c'est vachement bien alors qu'en fait c'est tout caca ce que t'as fait, quoi. Et du coup tu peux pas trop avoir un œil extérieur, enfin tu sais, un recul sur ce que tu fais. Et je trouve qu'il faudrait plus de gens qui font des critiques. Enfin tu sais, à partir du moment où tu penses que tu peins assez bien, enfin suffisamment bien pour faire une critique, ben voilà. Enfin, moi je trouve que je peins, enfin j'ai 3 ans d'expérience, je pense que je peux au moins faire un petit peu, au moins pour les débutants. Ça aide à avoir à voir ce qui plaît aussi, à entraîner son œil et tout, quoi. Je ne le répéterai pas assez. Il faut travailler son œil pour les couleurs et tout. Après, faut pas que l'usage de l'appli soit obligatoire. C'est pas le but. Oui. Ah bah oui, non, mais après, ceux qui utilisent déjà l'appli, ils peuvent le faire. Mais ceux qui sont pas dans l'appli ou qui connaissent pas, on va pas les forcer, quoi. C'est même si elle est cool. Bon, moi, je l'utilise pour mes trucs perso. Alors du coup, je gagne pas énormément de badges. Mais je devrais faire des trucs pour mes commandes, en fait. Comme ça, je gagnerai plein de badges. J'aurai plein de trucs. Mais bon, faut que je les peigne, les miennes. Ça craint, il n'y a rien de peint. C'est la tristesse. Bah tiens, la musique va très bien. Mes figurines. Faire les défis avec tes commandes, ouais. Bah ouais, mais je suis nulle, hein. Je devrais le faire, en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire là. Pendant après le live, je vais voir si je peux bidouiller
avec mes commandes genre Rising Sun, qu'est-ce qu'il reste à faire et tout. Ça peut être pas mal, je pense. Enfin, un rappel. Attends. C'est... Ah, mais c'est du cuir et du doré, en fait. Les tambours, c'est doré. Et derrière, c'est de la peau... Je sais pas trop comment elle est, la peau. Non, on va faire un truc... Bon, c'est quand même chelou comme musique, ça. Je vais la changer, parce que... moins chelou. T'as bien une fille avec du bleu pour le défi pour Amy? Ouais, mais du coup faut écrire Amy dessus. Bon, après tu peux l'enlever, mais faut pas l'envoyer. Faut pas envoyer une fille pour elle. C'est pas un truc comme ça. Je crois qu'il faut l'envoyer, non? Après, je veux bien le faire, mais si c'est pour envoyer, je peux pas quoi. Non, c'est pas forcé d'écrire dessus. D'accord. T'as pas à envoyer, d'accord. Ah bah oui, bah du coup, ouais, j'en ai une bleue. Tiens, regarde, que j'ai commencé. Celle-là, ça peut être sympa. Sympa, celle-là, le Storm. Tombe de Kingdom Death. La photo suffit, ok. Bon, bah je saurais. Du coup, on peut le faire sur n'importe quel groupe. Dans Colorful Mini, il y a un post là-dessus. Bon, je vais faire celle-là. Parce qu'il y a vache plus clair, on va faire de la peau foncée quand même. Ben voilà, parfait. T'as juste... qu'à fin mars pour envoyer la photo. Ah bah ça devrait le faire. Toujours pas les liens. Chier avec les liens. Bah attends, je vais voir si je peux faire quelque chose. Paramètres. Peut-être paramètres du chat. Gérer les paramètres de modération. Bloquer les liens hypertextes. Tiens. Tu peux le mettre le lien maintenant. Normalement, c'est bon. Ouais. Please refrain from posting links. I am in some trouble functioning. Quoi? Streamlabs. Que je passe des liens trop rapprochés. T'en as mis qu'un? N'importe quoi. Mais bon, au moins t'as pu le mettre. Deux avec celui qui n'est pas passé tout. Ah bah oui. Oui, oh. Ils sont un peu, hein. Ça va, t'en mets deux, tu spams. Spammer, c'est pas juste t'en mettre deux, hein. Spammer, c'est... c'est t'en mets 4, 5 à la suite, quoi.
ça va, tu sais. C'est pas non plus. Alors c'est du bleu vert moche qui est à l'intérieur de la, comment ça s'appelle, de la lanière. Donc il faudrait un petit peu de marron, j'en ai mis trop. Bleu, voilà, kaki là, et le reste c'est rouge. C'est rouge les petites machins là. Il est pressé de retourner en confinement celui-là. Mort de rire. Et demain, vous voulez voir quoi comme stream? Comme figurine? J'ai du Kingdom Death. J'ai du... Comment ça s'appelle? Les gardes de l'empereur, là, tout doré. Les Custodes. J'ai quoi? Oh bah ce serait bien. J'aimerais bien faire mes figurines. Ah là, si tu savais. Tes filles pendant le live, ça ferait une pause perso bien méritée. Ben ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être sympa.
La concentration. Hey, salut Sheldar, comment ça va? Oui, on est quatre. Ok. Ah, mais il a les griffes rouges en fait. Bon, bah écoute, parti. C'est la manucure des Oni. C'est la manucure des figurines. Putain, mais elles sont pas faites en fait. Bon, bah, je vais mettre des petits points. Oh, ça craint, elles sont pas faites les griffes. Bon bah tranquille, écoute, c'est cool si ça va. Pas trop dur le confinement? Corne aussi. Pardon. Passons où ces cornes. Ah mais c'est vraiment là. Ça et puis là. On va faire du blanc. Non, ça va, j'ai de quoi peindre pour les 6 prochains mois. Effectivement, t'as de quoi faire. Effectivement. Pas si pire cette playlist. Non, ça va, moi je trouve qu'elle passe bien. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Playlist rock. Du lien que tu m'as filé, hein. Moi j'aime bien. Bon, en tout cas, elle est mieux que la mienne, hein.
On verra si YouTube est d'accord. Tout le reste c'est doré. Alors il est où mon doré? Est-ce que il reste non, il a séché hein. J'ai un peu grave oublié de mettre le couvercle de ma palette, alors du coup mes peintures elles ont un peu séché depuis hier. Ouais, alors en fait le truc avec les copyrights et tout, c'est qu'il y a un site internet qui existe où en fait il te donne par mois, si tu payes par mois genre 5 euros, je sais plus, tu peux avoir des musiques libres de droit. Et du coup, comme tu payes par mois, ils considèrent que les musiques qui sont sur leur site internet, donc tu es artiste, musicien, et tu mets sur ce site-là, et tu es d'accord pour que d'autres personnes puissent les utiliser s'ils s'inscrivent à 5 euros par mois, par exemple. Je sais plus le prix exact, mais genre. Et ils peuvent utiliser les musiques. Mais le truc, c'est que YouTube, enfin ce site-là, quand il repère la musique qui est sur son site, il dit à YouTube que YouTube doit, enfin le créateur sur YouTube qui utilise ces musiques-là, lui doit des droits s'il paye pas par mois. Enfin c'est un tricks et c'est vraiment pas cool quoi. Du coup ça dépend, faut vraiment que ce soit des musiques libres mais qui sont pas enregistrées sur ce site-là. Et ce site-là, il y a beaucoup de musiques d'enregistrées, donc c'est pas facile de mettre des musiques qui sont pas enregistrées sur ce site là. Je sais pas si j'ai été très claire, mais c'est bien relou quoi. Voilà, c'est pas de la vraie vraiment en fait, tu vois. Toi par exemple, j'avais fait une liste comme celle-là avec plein de marqués no copyright, etc. Et j'ai eu plein de vidéos de kicker parce que. Enfin, que je pouvais pas mettre parce que YouTube disait, ben non, Creative Commons, quoi. Enfin, on vous l'enlève, elle peut pas être. Enfin, elle est publiée, hein, elles sont publiées les vidéos. Mais je peux pas gagner d'argent. Enfin, j'en gagne pas sur YouTube pour l'instant, mais. Si tu veux, elles pourront pas donner d'argent parce que c'est des musiques qui sont sur le site internet que je t'expliquais là. Ouais, elles sont démonétisées, voilà. Merci, je cherchais le mot. Merci de m'avoir sauvé. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est bien relou. Donc, il faut vraiment que ce soit... Attends, comment c'est? Parce que c'est libre de droit, mais pas que... Faut que ce soit copyright free music. Faut que... No copyright music. Enfin, tu vois... C'est même, j'irai même pas, même plus loin, royalty free commercial use. Putain, faut qu'il y ait vraiment ce truc là. Et toutes les musiques que j'ai sur la musique du chill là, que j'avais avant ta playlist radio, bah elles sont commercial use, no copyright machin. Et mes vidéos sont pas kickées du coup, enfin elles sont pas démonétisées. Donc on verra, hein. Je vais la publier celle-là, puis on verra ce que ça donne. C'est une musique de YouTube, celle que t'avais avant, non? Enfin, fournie par YouTube. Alors oui et non. C'était des musiques, j'avais marqué no copyright, commercial use, enfin etc. Et je suis tombée sur des musiques comme ça, alors je les ai prises. Je les trouvais à peu près bien. Parce qu'il n'y en a pas trop en rock. Donc.
faudrait qu'on te fasse une playlist MP3 avec que des X 100% sûrs, mais pas les mettre sur YouTube pour éviter que ça coupe chaque fois que tu bouges plus pendant X temps. Ouais. Bah oui, mais bon. Je suis pas. Je vais essayer d'en trouver, quoi. En tout cas, j'ai ma playlist que j'ai sur mon. Tu sais, avant on lisait les MP3 sur l'ordi. Oui. Machin. Hop. Il est quelle heure là? 14h13. Ah oui, puis il y a ses armes aussi. J'ai oublié ses armes. Non, ses armes. Ses percussions, enfin les bâtons dorés. Je sais pas comment on dit. T'as les tambours et puis le maillet. Je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle dans l'instrument de musique quand tu fais du tambour, ce qui sert à frapper un maillet peut-être. Baguette, ouais. Bah, elles sont grosses tes baguettes hein, quand même. Hein. Là, les siennes, elles sont balèzes. Hein. Ah ben je sais ce que je peux faire demain. T'avais dit une figurine à moi et tout, je suis en train d'y penser. Je voudrais faire. Tu sais, il y a une figurine que je voulais faire pour le French War Game Day. Tu sais, le Mortis Engine Coven Throne Palanquin, là, où j'ai bidouillé un peu et il les réunit un peu tous. Et comme c'est une figurine à mon copain pour son armée, ben voilà, je vais faire ça. Comme ça. Ça avancera. Et puis, parce que je voulais le présenter pour le concours. Donc, putain, mais il a des trucs aux chevilles. Eh, mais. Il a que du doré, le gars, quoi. Il en a partout, il en a partout. Si avec le Google Chrome tu peux streamer. Faudrait que je regarde ça. Si c'est faisable.
Ah, ça y est, je l'ai OK. On va le laisser tranquille pendant un petit instant, lui. Là, je te montre. Ah, je vous montre. Je ne sais pas si vous êtes encore. Là, j'ai fait ça sur le Mortis Engine là. Pour l'instant. Après. Je sais pas si tu vois trop. Tac. Donc j'ai fait le truc qui se voit pas trop en fait. Pour l'instant. Il est tout petit. Il est tout petit, compagnon. Tu fais sous-couche L. Toi. Ça va être gros quoi. Avec les trucs. Donc faut faire toute la fumée, toutes les machins. Ah, c'est sympa, ça fait clair. T'as trois couleurs quoi. Machin quoi. Être cool. J'ai trop envie de le peindre. Mais bon, voilà quoi. Je ferai demain. Puis il y a les petites pépées là. Attends, elle est où la gonzette? Oh, j'ai plus la. Ah, j'ai. Elle est où là, celle qui est assise? Ah, elle est là-bas. J'ai celle-là aussi. J'ai modifié un peu pour qu'elle soit assise. Enfin, j'ai modifié sur le côté pour qu'elle soit, enfin qu'elle ait l'air assise. Il faut que je rebidouille encore un peu, mais. Que je finisse à la fin de son truc aussi là. Mais j'aime bien, elle est cool, je trouve. Tu peux la mettre là. Moi, ouais, lui. Il a les cheveux noirs. Du coup, avec le confinement, ce qu'on a fait hier soir, on a mangé des crêpes. Et j'en ai fait une tonne. Alors oui, je parle un peu de ma vie, mais c'est pour faire la conversation. Et comme mon fils, il est intolérant au lait, on les a fait... Enfin, je les ai faites avec la boisson bio là, qu'il boit pour ses biberons, là, le lait d'avoine. Et bah, c'est pas mauvais. Je vous les conseille. Remplacer le lait par le lait d'avoine pour les crêpes, ben c'est bon. Enfin, moi j'ai bien aimé. Mais il y a un petit liseré blanc en fait.
Et vous êtes toujours là ou vous êtes plus là? Ça se trouve, en fait, je parle toute seule. Si vous êtes plus là, je vais arrêter le live. Je vais laisser l'ordi à mon copain. De toute façon, vers 15h, je vais arrêter. Faut pas non plus que Baby Satan il dorme toute l'après-midi, hein, parce que j'ai envie de dormir cette nuit. Je me demande si ça existe pas, tu sais, une appli. Genre, tu dis certains mots spéciaux, et puis t'as un truc en stream qui pop-up. Genre, tu dis check, t'as le streamer qui dit check, et puis ça active un truc. Ce serait cool ça. Ça réagit au son de la voix là. Reconnaissance vocale, je suis sûre que ça peut être faisable ça. Si tu bidouilles un Google Home. Tac. Je crois qu'il y a le bas. Ah non. On va que jusque là. Bah du coup. Hop. Bon, on va aller faire derrière aussi, parce que je sens que si c'est le même truc, faut que ça aille jusqu'au bout, quoi. Attends, bah en fait c'est décalé, et voilà les pédales. Hop. Non, c'est pas bizarre comme musique. De la tranquillité. C'est pas mal ça. Booster un peu les boss avec du blanc. Genre là. Pour dire hé, toi spectateur qui regarde, dirige ton œil par là. Tac. Là aussi. Bon, là, vite fait, il n'y a vraiment pas vraiment beaucoup besoin. Tiens, là. Hop. Puis on va un peu. L'intérieur c'est rouge.
collent pas mal. Ils sont comment les cordons? J'ai l'impression qu'ils sont foncés. Des trucs qui se passent sur mon ordi, sur mon téléphone. Mais quand je suis en live, je peux pas trop regarder. Tu dépasses. Hop. Je rectifierai quand ce sera sec. Voilà, pas mal ça. Bon, je vais laisser l'ordi à mon copain. C'est pas mal déjà d'avoir fait ça en live. C'était un moment détente, tranquille. Du coup, je vais arrêter ici. Je vais la poster sur YouTube pour parce que j'ai envie. Voilà. Qu'il y ait aussi ceux qui sont sur YouTube, les abonnés de YouTube, ils aient quand même du contenu. Que je les oublie pas non plus. Et que s'ils veulent du live, d'aller sur Twitch si vous voulez. Et je mettrai du contenu plus monté, plus travaillé sur YouTube. Et puis voilà, la meilleure chose que vous pouvez faire pour que la chaîne vive, c'est de partager. Et la musique, d'accord, au moins c'est fait. Ça c'est YouTube qui dit « Ouais, vous êtes toujours là !» Mais oui, on est toujours là. Je vais tellement me faire kicker. Bref. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est en la partageant. Ça c'est une des choses les mieux pour que les gens... viennent faire vivre la chaîne. Il y a mon Tipeee les tipeurs qu'il faut remercier
parce que sinon il n'y aurait pas de live, sinon il n'y aurait pas de vidéo montée de temps en temps. Donc voilà, et puis bah à la prochaine. Bisous.